Mesdames et messieurs, bonsoir. Je dis encore nous comptons en avec vous dans quatre études hebdomadaires de leçon école du sabbat. Semaine ça, nous avons étudié quatrième leçon nous qui est dit le Christ et la loi dans le serment sur la montagne. Mais pour étudier nous semaine ça, nous avons ensemble avec nous Johanna Christy Moïse. Bonsoir Johanna. Bonsoir Maïdé. Comment est-ce? Moi très bien, grâce à Dieu. Oui. Grâce à Dieu, très bien. Comment la petite leçon en dit le Christ et la loi dans le sermon sur la montagne? Moi, vite penser que c'est de ça nous allons parler de sermon sur la montagne. Mais on pose une question quand même. De qui ça? Leçon semaine ça, nous allons parler. Leçon semaine ça, nous allons parler de ce sermon sur la montagne. Mais en pile fois, nous toujours faire référence que l'heure dit nos sermons sur la montagne. Nous pensons à béatitude. Mais vous présentez-nous dans le soir, côté vous dites que le sermon sur la montagne est divisé en quatre parties. Première partie, hein, certes, il parlait de béatitude. Mais deuxième partie, hein, il vient parler de comparaison que bon Dieu fait chrétien à la lumière et le sel du monde. Troisième partie, nous fait référence à la loi que bon Dieu a donné Moïse pour nous. Et quatrième partie, qui c'est partie plus longue, non, côté bon Dieu, montrez-nous que enseignement que nous représenter clair en tant que chrétien. Et semaine ça nous va statuer nous surtout sur la loi que bon Dieu t'a bail Moïse pour nous. OK. Même comme on connaît à chaque semaine toujours gain un verset qui attribué ou du moins que leçon est basé sur lui, c'est qui verset que semaine ça nous gain dans cadre leçon ça. Dans le cadre de ce sens, nous avons un verset à mémoriser nous dans Matthieu 5, versets 17 et 18, m'appelez pour nous. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Je vous le dis en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, versets 17 et 18. Juste avant que nous rentrions dans le développement leçon en Johanna, nous pouvons fermer les yeux nous et on va prier pour nous. Fermer les yeux nous. Éternel Père des cieux, nous voulons remercier d'abord pour la loi que vous mettez à disposition. Qui est un miroir pour capable aider nous à voir comment nous agir et comment pour nous présenter devant pour nous demander au pardon. Papa, permet que la loi soit capable de toujours considérer en tant que miroir pour nous et capable de toujours permettre nous d'approcher nous plus près de vous. Ensemble avec nous, dans l'étude de leçon ça, éclairez-nous sur ça que nous pas éclairé et permettez que nous sommes capables d'accomplir, à mettre en pratique dans la vie. Dirigez-nous, papa, protégez-nous, pardonnez-nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Johanna, comme on te dit nous dans la leçon, hein, semaine ça nous va parler de la loi que bon Dieu te baille à travers Moïse. Mais de nos jours, il y a une pile dénomination qui a enseigné que la loi abolie et que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous ne pas vivre sous la loi encore, mais sous la grâce. Qui ça, leçon semaine ça, à travers la parole de Dieu, l'y enseigne nous par rapport à la loi et l'observation de la loi? En fait, verset à mémoriser nous dans la leçon, hein, répondre à la question ça. Côté il dit nous que Jésus n'est pas venu pour retirer un seul trait dans l'être qui dans la loi que l'il débat à travers Moïse. Bon Dieu t'est venu, Jésus t'est venu au contraire pour être capable d'accomplir la loi ça que l'il t'est bail là. Et on montre nous que Jésus t'est considéré comme accomplissement même des écritures. Quand il dit pas un seul trait, pas un seul iota non, loi non a sorti. Donc qui capable montrer nous que ça que a dit que la loi abolie, bon Dieu Jésus montre nous à travers le son que loi ça, il pas aboli vraiment et que nous supposons suivre à la lettre et que nous supposons comprendre tout comment pour nous observer la loi que mon Dieu donne. Ça aide à nous comprendre que si pas gain la loi, pas gain péché non plus parce que si pour nous connaître que nous péché, faut bon bagaille qui dit que l'on fait un acte quel que soit acte lié à c'est un péché. Par exemple, dans le son moi on parlait de meurtre. Qui ça, qui vision que leçon fait nous gagner de
péché ça, qui c'est le meurtre. Qui Jean à travers le sang il montre nous que Jésus lui-même à travers sa loi comment il comprend ça y aurait les meurtres là. Jésus montre nous que meurtre, en pile fois nous dit meurtre c'est tout le monde. Donc on connaît si moi tout le monde moi commet un péché. Mais Jean que Jésus montre nous à travers le sang, hein, façon que Jésus comprend loi ça, c'est pas seulement tuer monde. Parce que dit nous sixième commandement ça que nous trouvons dans Exode 20 verset 13 qui dit nous que il n'est pas seulement atteint tout meurtre qui existe. Ce n'est pas vous voulez dire que il englobe tout ça au monde fait en tant que meurtre. Nous qui doit dire qu'il y a un monde qui doit tuer un autre monde par accident. Donc bon Dieu va pas considérer ça comme yon, un péché, péché. Exactement. Mais il considère en tant que un monde qui pas seulement qui commet meurtre non mais qui chita qui planifie meurtre ça. Les chita lui dit OK mais qui ça me va faire donc c'est pas exactement acte là que bon Dieu va punir que le considérer exactement comme un péché c'est un péché mais il qui doit considérer comme un péché depuis avant mon commettre acte ça donc depuis avant le commettre les chita lui penser sur lui bon Dieu doit considérer comme un meurtrier yo prend nous par exemple un pile meurtrier yo considérer comme meurtrier mais qui pas jamais qui possibilité pour lui mettre à abus ça que l'était planifié mais mon Dieu qui était considéré comme meurtrier parce que l'était qui t'a pensé ça que l'était va le faire donc si vous comprenez bien avant même que vous fait acte là dès que vous t'es maintenant tête ou t'es une disposition pour faire c'est un péché exactement donc est-ce que nous capable mettre adultère dans même niveau ça tout est-ce que nous capable comprendre péché que aurait adultère là comme ça tout bien sûr. Adultère là c'est pas exactement commettre acte sexuel là, c'est le commettre le péché. Bon Dieu qui t'a considéré t'a pris un péché depuis le lit monté dans tête monde là. Adultère c'est le ou entrer en relation sexuelle avec un monde qui autre que mari ou autre que madame. Donc debout que t'en penser à faire ou que t'a commettre péché. Donc bon Dieu qui t'a considéré t'a pris un péché depuis avant que ou commettre acte là. Donc c'est peut-être ça qui t'a préférable pour que nous même en tant que chrétiens pour nous essayez vivre Jean bon Dieu mandé nous vivre là. Essayez ouais loi bon Dieu au-delà de ça que nous voyons. Essayez mandé bon Dieu pour aider nous comprendre loi ça. C'est pas seulement commettre péché qui va considérer autant comme un pécheur, mais c'est le fait que vous êtes pensé à péché. Vous êtes pensé à ça que vous va faire qui est considéré qui va permettre de considérer autant comme un pécheur. Donc si nous comprenons bien en tant que chrétien, nous t'a supposé plus veiller sur penser nous que sur acte nous. Parce que c'est de penser nous que acte nous yo vini, c'est pas ça? C'est ça. Donc c'est pas seulement pour mettre acte là. Si nous avons pensé avant de faire acte là, nous avons considéré comme un pécheur. Non, sermon sur la montagne là, c'est pas seulement partie ça qui gagne. Il y a un pile promesse tout que bon Dieu lui-même il t'a fait, non, que Jésus lui-même il t'a fait lorsque il était sous la terre, dans même cadre sermon ça. Parce que j'en t'ai dit dans le commencement le son, il y a plusieurs parties. Et dans partie leçon qui gagne pour titre des promesses. Qui ça exactement yo relater nous dans partie ça. N'a retourner après pause là pour nous capable parler de partie ça.
généralement, en tant que chrétien ou bien en tant que humain, nous toujours on pense que c'est gros bagaille qui péché. Par exemple, meurtre, j'en ai dit dans le son 1, ou du moins adultère. Mais dans partie dans le son 1, il parlait des promesses. Et m'te fini par comprendre, ou du moins d'après ça m'te ouais, l'aime d'absurvoler les parties ça. Bagaille ça qu'a considéré comme un péché tout. Maintenant, qui sens yo te voulait parler de ça, des promesses dans le son 1? En fait, deux parties que nous citoyens, ils font partie de première antithèse dans le décalogue loi. Mais partie ça que nous parlons, ils font partie de la loi mosaïque, même avec divorce. Mm-hmm. Et ça, vous pouvez faire relater à travers le son, on voulait dire des promesses là. C'est là que les gens font leur promesse, que ni pas raconter. C'est pour ça que nous, quiconque fait une promesse sans intention de la tenir prend la décision consciente de pécher. Donc, bon Dieu dit nous, en tant que chrétiens, nous supposons oui, nous, c'est oui, non, nous, c'est non. Pas faire promesse qu'on ne peut pas raconter. Parce que devant Dieu, bon Dieu, l'on fait une promesse qu'on ne peut pas raconter ou pécher. L'on ne peut pas promesse ça. Ok, je comprends. Donc, promesse, comme si paf, faire une promesse qu'on ne peut pas raconter, c'est comme si c'est menti ou bail. C'est comme si c'est menti ou bad. Et m'y nous ajouté tout, c'est pas seulement le fait qu'on para kembe promesse là, mais ou fait promesse là, mais ou connaît qu'on pas kembe promesse là. Okay. Donc bon Dieu qui t'a considéré, parce que bon Dieu ouais dans cœur, que promesse en fait ou qu'on pas kembe. Donc le fait que bon Dieu qui t'a ouais dans cœur, il vient considérer ou bah ou menti, parce qu'on connaît qu'on pas kembe promesse là. Donc bon Dieu voulait que nous capables intègre dans quel que soit ça que nous avons fait, dans quel que soit ça que nous avons dit. Si nous dit oui, nous, faut que oui ça arrive le dit oui. Si nous dit non, faut que non ça arrive le dit non. Mais là n'a gardé société nous en kounya, c'est comme si tout ça n'a fait, tout ça n'a dit, toute sa société a lui-même y a offert nous comme valeur, comme principe, il est allé à l'encontre de ça que la Bible dit. Comme par exemple, nous contendons souvent des monde à répéter œil pour œil, dent pour dent. Donc si on même on fait mal, moi même tout m'a fait mal. Mais à travers le son, qui ça que nous te ouais par rapport à expression ça qui c'est œil pour œil, dent pour dent. Expression ça vient de le bagage qui relie lex talionis, qui c'est la loi du talion. Quand Dieu te dit on monde fait un bagage, on fait le même bagage. C'est pour ça que dans tant longtemps côté monde que tu connais les contrevenants, c'est monde qui fait tort à un monde. Donc monde ça si moun ki ou fait tort là ou t'es pété un yeux ou t'es coupé en main ou en pied ou bien ou t'es tué moun ça, donc moun ça qui t'es fait tort là gagne pour celui même bagaille ça yo. Donc loi t'es là c'est juste pour capable éviter que ou fait un bagaille pire à moun. Par exemple si ou t'as fait mon bagaille que moi même pour me venger pour me faire un bagaille qui pire, oh ok, c'est peut-être ça que t'es mettez loi là pour si ses yeux moi t'es pété donc ou mieux va péter les yeux parce que t'es pété ton yeux pour me pas retirer la vie alors que t'es pété ton yeux Dieu seulement. Donc bon Dieu dans le son il dit que Jésus pas venu pour te mettre loi ça de côté, il pas venu pour te montrer que ils sont tyranniques contre loi ça, mais il était juste venu pour te capable montrer que chrétien, en tant que chrétien, nous supposons agir différemment. Les dit nous dans le son 1, au lieu de nous chercher pour un chrétien chercher occasion pour l'évangélie, les supposons agir avec bonté envers le monde qui a fait longtemps. Donc, les vins dit nous que en tant que disciple de Jésus, nous supposons prendre le sens que bon Dieu voulait faire nous là. Donc, si nous sommes disciples de Jésus, nous pas capable agir même genre le monde a agi. Si un monde fait mon tort, bon Dieu dit pour nous capable remer monde qui fait mon tort là. C'est peut-être ça qu'il dit, si on monte bon mon gif en côté, bon présenter l'autre joueur pour le bon mon l'autre encore. Pour juste pour capable montrer que on en tant que chrétien, moi pas supposé agir contre frère non, qui même s'il fait mon tort, même supposé remer en retour quoi que lui fait mon tort. Donc en tant que chrétien, loi de talion, il pas ta supposé, il pas ta supposé, il pas ta doué effectif dans vie yon chrétien. C'est ça. C'est ça. Donc on pas le fait que on monde fait yon bagaille que moi-même pour m'a chercher faire le même bagage en retour, parce que bon Dieu dit pour me capable amour. Donc si l'amour dans cœur n'a me sentir pour prochain là, faut me capable sentir pour prochain qui même ennemi, qui pas veut moi qui fait mes bagages, faut me sentir l'amour ça en dedans pour mon ça. Donc en tant que chrétien, nous supposons agir quand tout bon Dieu lui-même nous doit agir dans cette situation pareille.
En résumé, leçon 4 qui dégaine pour titre le Christ et la loi dans le serment sur la montagne, lui apprend nous que loi qui n'a écrit dans la Bible là, il n'y a pas jamais effacé et pas un moment qui a privé que en tant que chrétien, nous pas bien pour nous suivre loi ça, à moins que l'heure jusqu'à ce que nous arrivions dans le ciel. Et lui montre nous tout que des fois, dans la tête, nous c'est péché à nous, mais bon Dieu, lui-même, c'est intention que nous avons d'abord et c'est libre d'abord. Donc, nous voulons remercier Johanna du fond du cœur parce que tu es venu pour partager ça avec nous. Nous remercions très sincèrement et nous disons merci et à la prochaine. Voyant que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Deuxième jour, il a séparé les eaux du dessus de la terre. Troisième jour, il a fait la séparation des eaux sur la terre d'avec la terre.